Grégory Torel, on n'a pas revu Ghana Flini en compétition depuis un peu plus de 2 mois. Pour quelle raison? Raison sanitaire. Non, les vaccins étaient pas à jour, du coup. Du coup, bah, il a fallu remettre tout ça à jour et puis bah, ça a pris un mois et demi. Au niveau condition, il est dans quel état de forme? Il est pas mal. Hein. On avait descendu un peu de régime. Après, là, il est remonté à Grosbois. Il a retravaillé en conséquence pour la course de lundi. C'est vrai que c'est un super engagement. Ah ouais, c'est une belle course. Hein. Après, il y a 2-3 canards là-dedans. Mais bon, le cheval, je vous dis, il a travaillé en conséquence. Et du coup, on a pu le faire voir au veto. Et on a soigné 2-3 trucs. Et le cheval est vraiment top. Capable de bien faire d'entrée de jeu, à vous entendre, Greg? Ah ouais, je pense que le cheval est bien et je vous dis, il a travaillé en conséquence. Et du coup, je pense qu'il n'a pas besoin de faire de 3 ans. J'ai même l'impression que vous seriez déçu s'il ne jouait pas les bons rôles de ce guinter. Bah ouais, après, il a eu 2-3 conneries cet hiver. J'aimerais bien qu'il en gagne une ou deux et qu'il se rattrape. Merci Greg.